Mon nom, c'est Georges. J'ai 10 ans et je suis fan des Teletubbies. Ils sont tellement drôles. Je comprends pas pourquoi maman les trouve bizarres. Dans ma chambre, avec mon frère, on a souvent une ombre qui vient nous voir. Elle est super gentille. Je pense que c'est mon papa. Des fois même, elle se transforme pour jouer avec nous. Maman dit que tout ça, c'est dans ma tête. Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Garry's Mod, un mode Dark RP. Et aujourd'hui, nous allons faire les Slendy Tubbies. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas en tout cas à bombarder les likes, à me dire en commentaire quelle scène RP vous voudriez voir sur la chaîne. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification, comme ça vous ne raterez plus aucune vidéo. C'est parti. Waouh, mais c'est tellement bien. Mais c'est trop cool. L'épisode est fini. Ah, il neige en plus dehors. Dommage que James soit pas là. Maman, t'es là? Qu'est-ce que tu fais, maman? Oh, ça bouge tout seul. Comment tu fais? C'est ma passion, quoi. C'est de la magie. C'est comme un peu de la magie, oui, si tu veux, oui. Ah, oh, la bouteille, ouais, elle est tombée de la table. Tu parles avec papa? Papa, t'es où? Il est à côté de nous, il est dans cette pièce. On peut lui parler avec ça? Oui, regarde. On peut faire apparaître des gens avec. C'est incroyable. Papa, est-ce que c'est toi? Pose ton doigt tout délicatement sur le triangle. Ok. Et tu laisses la triangle agir. Ça veut dire que je pourrais faire apparaître les Teletubbies avec ça? Non, les Teletubbies, c'est pas des vrais humains, donc... Mais si, c'est des vrais humains. Je pense pas, hein. Oh! Ah, c'est rien. O-U-I... Oh! Mais c'est trop bien! Tu pourrais faire apparaître mon ami imaginaire! C'est Tinky Winky, mon ami imaginaire. R-E. Peut-être. Oh, 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 c'est magique! Je la veux dans ma chambre! Non, c'est pas un jeu, Georges. Hein. Si, c'est un jeu! Est-ce que tu peux apparaître? Maintenant! Je vais mettre du sel. Fais attention, tu dois pas marcher dessus. Oh. Alors, il est où mon pot de sel? Voilà. Papa, si t'es là, marche dans le sel! Bah, normalement, papa, en fait. Que dans ma chambre, toi. Bah si, en fait, il y a un esprit, bah en fait, normalement, ben il y a une trace de pas qui va se mettre dedans. Si on sait... Oh! Maman, regarde! C'est un courant d'air, ça. Oh, oh! Mais pourquoi il n'y a plus d'électricité? Oh. Il y a quelqu'un qui a marché dans le sel! Papa, est-ce que c'est toi? O-N-O-N. Oh! Tinky Winky! Tu le vois, maman? Non, y'a rien. Mais si! Du tout, hein, chérie. Hein. Juste là! Regarde! Dans le coin! Alors, ça, c'est ton imagination, chérie. Oh! Mais j'arrive à le voir comme s'il était là! T'as pas du tout la même tête que dans la série! Mais je savais que t'existais. Ouais, qu'est-ce que c'est, ça? Wow! Qu'est-ce? Fais peur, ton cri! Viens, bah faudrait qu'on aille faire peur aux voisins. Les voisins, ils sont méchants, donc je rentre avec eux et puis tu restes à côté de moi et puis tu leur fais peur. Je sors avec Tinky Winky, maman. Super froid. Wouah. Voisin. Oh, c'est ouvert. Bien, bien. On reste là. On reste là et on leur fait peur. Genre, tu te caches dans la cave et je leur dis d'aller dans la cave et tu leur fais peur, ok? Tiens, embêtez ma mère, ça vous apprendra. Là, 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 là. Toi, arrête, toi. Putain, putain, putain. Stop, le boy, hey, calme-toi, Leroy, calme-toi. Mais qu'est-ce que vous avez fait, putain, mon ami imaginaire? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je sais pas dans quelle propriété t'es rentré. C'est qui? C'est moi! Mon ami imaginaire! C'est mon ami imaginaire! C'est un gamin, putain! Et en fait, vous avez essayé de me taper et du coup, il a pas été gentil! Il y a des cris, c'est dangereux! Attends, il y a les flics! C'est Tinky Winky qui les a tués! C'est un Teletubbies! C'est quoi? Un Teletubbies? Mais qu'est-ce qu'il met? Mais.
Votre enfant il traîne avec il traîne souvent non, ça, dehors, avec des gens, je sais pas. C'est son imagination. Mais non, ils sont tous morts dans la maison. Et ils me voient. Putain, mais c'est ma voiture ça. Attends. Ah bah non, c'est pas ma voiture. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, ils se sont réveillés. C'est qui, c'est qui? Ils se sont réveillés. Ouais, ils se sont réveillés. Tranquille. Putain, Graham, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il y a le gamin là, il vient, il sort tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon ami imaginaire qui les a attaqués. On était dans la cave, on s'est réveillé. On était dans la cave, on s'est réveillé. Il y avait une grosse pioche bizarre là. Et là, le gamin qui est sorti tout seul, j'ai pas compris. Il y avait des cris, ça a gueulé. C'était, on dirait qu'ils étaient en train de se faire massacrer en bas, les cons. Qu'est-ce que tu as? 4 forces majeures, monsieur. Je te dis, c'est mes amis. Kinky Winky! Bonjour! Bonjour! Non, du coup, j'ai pas d'argent! J'ai pas d'argent, donc on va voler! Là, regarde, on prend ça et je le mets sous mon blouson, comme ça il voit pas! C'est trop drôle la caméra que t'as! Ça, je prends aussi et faut voler du lait! Bon, monsieur, j'ai rien acheté! Au revoir! Vous savez qu'il y a des caméras ici. Bah pourquoi vous dites ça, monsieur? Écoute, petit, t'as des parents? Oui. Mais non, attendez! Non mais, attends. Non mais, j'appelle un peu la police, parents! Mais, fais lui peur! J'appelle la police! J'appelle la police, petit, qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu tires la porte! Putain, la porte! Ah! Oh putain! Mais c'est incroyable! Oh non, il s'enfuit! C'est quoi cette connerie? Monsieur, faut partir! Oh, il peut apparaître sous plein de formes différentes! Grâce à lui, je suis invincible! Ok! Ok, ok, je rentre à la maison! Il s'existe maintenant dans la réalité, je le savais! Maman! C'est incroyable! Il y avait Dipsy qui est apparu dans la supérette, regarde! J'ai même pas dépensé un centime dans la supérette, regarde! Et voilà! C'est de bonne manière, ça, c'est ce que je t'ai appris? Mais j'ai pas volé, C'est juste que le monsieur, il a eu super peur de Dipsy et du coup, voilà. Super peur. Sur Dipsy, il est arrivé et il avait comme des bras bioniques et il a fait... C'est pas les valeurs que je t'ai appris. Il fait peur aux gens. Ça, c'est pas gentil. Tu peux aller en prison pour ça, chérie. Bon, mais du coup, en tout cas, moi, je pense que du coup, je suis invincible. Genre, même à l'école et tout, je pourrais avoir toutes les réponses et tout. Oh, ça, t'es invincible. Mais Teletubbies, il m'aide. Oh là, c'était quoi ce bruit? Oh, portez. C'était le vase que... C'est papa m'a ouvert. Au moins, vous embêterez plus ma mère. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et il va dégager le gosse, là, putain, là, c'est quoi ce bordel? Moi, je t'ai dit, tu reviens sur ta cam, je te fous une claque, barre-toi. Qu'est-ce que t'as, toi? Mais là, c'est un gosse, là. Non, mais arrêtez, il a ma gueule, il a pété le panneau. T'es tombé dans les vapes grâce à mon ami imaginaire dans la cave. Tu fais moi le malin. Comme des victimes. Rentre chez toi, parce que t'as même été obligé de rentrer chez Mickey, là. Allez, rentre chez toi, là, vous avez pas vu parler. Eh, la frou, là, rentre chez toi. Regarde-moi ça, là, regardez-moi ça. Ce gosse, c'est un voleur, il a piqué du lait, il est un monstre. Ah oui, monsieur l'a vu, mon ami imaginaire. Eh oui, j'ai vu la bestiole. Attendez, il est rentré dans mon magasin, ce sale gosse, il a volé tout ce qu'il pouvait, et puis il m'a attaqué. Ça, vous avez pas de preuves? Eh si, y'a les caméras! Y'a les caméras, officier! Non! Bon, on va aller les voir, vos caméras. Ouais. Bonne journée, je fais une déposition pour le gamin, hein. Eh bah, pourtant, c'est comme ça la vie, gamin. Vous allez mourir! Un jour, peut-être. Je vais dire à Dipsy, Lala, Po et Tinky Winky de vous attaquer! Attaquez-le! Non, mais il a des amis imaginaires, hein. C'est de son âge, faut s'inquiéter. Attaquez-le! Tuez-le! Mangez-le! Laissez pas partir! Faites ce que vous voulez! Ils sont où tes parents petits? Ah, sa mère, attendez. Oh, c'est la mère en face, hein, c'est la maison verte, hein, si vous voulez savoir. Oh, 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 putain. Oh putain. Putain de merde, c'est quoi ce délire? Monsieur petit, vous voulez voir vous, mon ami imaginaire, il est dans ma chambre. Ouais, allez, je t'accompagne, petit. Ouais, venez. Oula, c'est bizarre ça. Maman, il y a un policier qui est venu voir. Il y a un policier qui est venu voir mon ami imaginaire. Bonsoir, madame. Venez, il est en bas. Voilà. Justement, putain de merde! Vous le voyez? Ah, c'est drôle! Ah, ouais, c'est. Calmez-vous! Ah, ouais, c'est vachement drôle!
Oh putain, c'est... Ouais, la porte... Elle le voit. Il le voit. Il y a quoi, monsieur? T'as vu, maman, il le voit. Il y a rien. Ouvrez la porte. Putain. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce que vous faites là, officier Wood? Je vais y aller, moi. Ouais. Hey, petit. J'ai mis les yeux là, j'avais... C'est qui crie chez vous? Y'a pas de cri. On a rien touché, non. On peut visiter. C'est Tinky Winky qui l'a fait. Qu'est-ce qui vous arrive, officier Wood? Excusez-moi, madame. Ça va. Vous avez un problème? En fait, je vous explique, j'ai eu un petit problème avec votre fils là. Il a acheté une poubelle en plein milieu de la route, et du coup, ça a abîmé ma voiture. Comment ça, c'est compliqué à expliquer? Petit, écoute, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien du tout, d'accord? Non, j'en ai rien à faire! De toute façon, je peux faire ce que je veux, y'a Tinky Winky qui est avec moi! Oui, tu peux faire. Tinky Winky, c'est quoi ça? Moi, j'ai la force des Teletubbies! Tu sais, on peut aller voir un psychologue, hein? Un psychologue. On va aller voir un psychologue si tu veux. C'est quoi ça? Ouais, c'est un monsieur qui pourrait te parler. T'aimerais parler avec quelqu'un d'intéressant? C'est ton choix, s'il te plaît, là tu nous bloques. Écoute, joue pas en malin avec moi, sinon j'appelle mes amis et ils vont te faire ton portrait. Mais qu'est-ce que tu m'en racontes? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il m'emmène à la cave? Oh putain de merde! Laissez-moi sortir! Il a écrit, j'ai failli faire un arrêt. La porte, je vous dis, c'est Tinky Winky qui est là, il aime pas trop votre présence. Il aime pas trop que vous soyez là. Il y a des gosses qui crient chez moi. Fais-les partir de la maison. Fais-les partir de la maison. Bouteille de vin, putain. Oh, tu la fermes. Ils vont mourir, maman. Ton ami, justement, qu'est-ce qu'il fait? On dégage. La porte. Ouvre. Attendez. Ouvrez-nous. Tinky Winky, attaque-le. Winky, je l'emmerde. Je vais faire sauter la porte. Fais-le partir, ton ami, là. Non, il veut pas. Il me dit que d'ailleurs t'es méchante et que t'aimerais le faire partir. Et il aime pas du tout ça. Il est en train de tuer des gens. Il est pas comme ça. Derrière toi. Moi, je le vois. Il se passe quoi, là? Ils ont mis une bombe sur la porte, maman. Mais il est... Ils sont fous, bordel. Dipsy, fonce-leur dessus, Dipsy. Fonce-leur dessus. Y'a personne. J'aimerais jeter Dipsy. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Qu'est-ce que c'est ça, espèce de putain foiré, là? Tu m'as emmené dans le coin. Il va tous vous tuer. Vous le voyez, c'est qu'il va vous tuer. Va dans la cave, Dipsy. Va dans la cave. Oh putain. Voilà, il est parti dans la cave. C'est moi ou je suis la seule folle qui voit rien? Vous avez déjà pensé à emmener votre fils voir un psychologue ou un truc comme ça? Il est là. Je veux juste être gentil avec toi. Moi, je suis là que pour ton bien et j'ai pas envie que tu... S'il te plaît. Mettez-vous au fond de la pièce. Oh non, s'il te plaît, putain de merde. Mets-toi au fond. Et moi, je dis à tes amis, ils ont l'air gentils, hein, tes amis. Hein? Pourquoi, pourquoi on discuterait pas avec eux? Apparaît derrière moi, Lala. Non. Écoute, Lala. J'ai des amis imaginaires, moi aussi. Lala. Salut, Lala. Je dois le tuer. Non, s'il te plaît. Je dois le tuer, Lala. Lala peut pas te tuer, donc il me demande de te tuer. Parce qu'en fait, Lala, il doit avoir, pour rester avec moi pour la vie, il doit avoir un corps. Et s'il a pas ce corps-là, ben petit, en fait, il peut pas. Petit, s'il te plaît, je t'en supplie, tu peux prendre quelqu'un d'autre, pas moi. Je suis là, j'aide les gens dans ma vie, je fais que aider les gens, putain. Et si je peux t'aider, je fais des noms. Non, s'il te plaît. Lala, il veut toi. Oh, s'il te plaît. Non, désolé, monsieur. S'il te plaît. Ah, désolé. Putain. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Désolé, je dois le ramener à la vie. Non, prends quelqu'un d'autre, putain. Pourquoi moi? J'étais là pour t'aider. J'y arrive pas, Lala. C'est bon, Lala. Oh. Attaque. Ha ha ha!
Oui. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez vu? Bah si, ouais. Si, il y avait un truc bizarre là. Oh putain, c'est ça, c'est cette merde là.